Bonsoir. Celle-là elle est belle, moi c'est ce que j'aime. C'est quand les défis, les gages fous, eh bien deviennent concrets. Vont jusqu'au bout. Oui. Rappelle aux gens, rappelle aux gens. Ah oui pardon, excuse-moi. Écoutez, on avait reçu déglutissement. On avait reçu Tarek Boudali et Philippe Lachaud pour un concours d'anecdotes. Peut-être vous en rappelez-vous, peut-être non. Peut-être avez-vous des problèmes de mémoire. Après, allez extrait, consulter. Après, on mettra un extrait. Après. Ouais voilà. Après, du de coup, manière ouais. à ce qu'il recontextualise. On a gagné. On a gagné. Et on avait perdu et le gage était le suivant. Tarek pour son prochain film nous invitait à apparaître uniquement de dos. Et aujourd'hui on arrive sur le set, on va retrouver l'équipe. Ah putain mais c'est fou. On va retrouver l'équipe et nous sommes les comédiens de dos uniquement. Le cinéma c'est un rêve. Tourner au cinéma c'est un rêve de gosse. Enfin passer sur le grand écran de dos uniquement. C'est incroyable parce que c'est vraiment une grosse journée. C'est une très grosse équipe vous en doutez. Un film de Tarek Boudali, ça va les gars? Bonjour. Vu qu'on est convoqué jusqu'à 21h, ouais, ça veut dire qu'il y a plusieurs scènes quoi. Mais j'ai hâte, de faire ça. Tu sais qu'on est parti là-bas alors que c'est vraiment là-bas. T'es pour la lumière. On y va? Ouais. Transition violente. Oh oh. Bonjour, nous sommes les comédiens de dos. Ah bah c'est parfait, grand plaisir de vous rencontrer de face. Enchanté. Oh la vache. Et hop, on incruste quelque chose dans cette télé. Vous allez bien? La forme. On est les comédiens de dos, uniquement de dos. Bonjour. On est les comédiens de dos. On doit être habillé comme le jour du tournage pour s'en rappeler. J'ai repris la fameuse chemise que je n'ai plus jamais remise tellement je me suis fait charrier. Regardez comme c'est beau une loge costume au cinéma. Il y a beaucoup de costumes. J'ai trouvé un couvre-chef. Je propose, les filles, je sais pas ce que vous en pensez. J'écoute pas du tout. Les filles, je sais pas ce que vous en pensez, mais je propose un truc pour la scène. Je me prends des bâches. Je pense que c'est totalement validé. Oh, ça te va un peu bien. Non mais on fait une propale. On fait une propale. Tarek, on va voir si ça lui plaît. Sans déconner. Ouais, ouais, bien sûr. Bonjour à tous. Tarek, quel homme de parole, quel homme de parole. On a une propale à te faire, une propale artistique. Ouais, qu'est-ce que t'en penses? Ah merde, il la considère sérieusement. Putain, mais 8ème semaine déjà? 9ème semaine. Vous êtes prêts ou pas? C'est chaud. Moi, très stressé. Après, j'ai fait 3 semaines de préparation physique là. Oui, il est parti au Népal pour faire une formation de dos. Parce qu'en fait, il y a plusieurs façons d'être de dos. C'est la version plus amérindienne, comme ça. Ouais. Il va falloir trouver le meilleur endroit pour se placer. C'est pas encore décidé. Bah non, on est de dos et on parle pas, il peut nous mettre. Depuis que j'ai commencé le tournage, tu vois, sur les posts Instagram que je mets et tout, t'as plein de gens qui me disent alors est-ce qu'ils sont là? Ah, c'est génial. Par contre, ouais. Mec, tu vois ce que je veux dire? Petite crème hydratante ou un ouais. truc? En fait, je me suis fait manquer par. Et par contre, c'est trop bien fait. Sylvie, c'est vous qui avez fait ça? On est appelé sur le plateau. On n'a pas été maquillé ni coiffé pour des raisons évidentes. Je ne dis plus, ça s'affiche maintenant. Filme un peu ça. Ouais, je filme, t'inquiète, je filme ça. À la cantine, là, tout à l'heure, tu sais ce que je vais manger? Ouais. Un tourne-dos. C'est fou que tu fasses des jeux de mots maintenant. Est-ce que vous aimez que Carlito se mette au jeu de mots, lui qui détestait ça? Oh, dans le commissariat. On va se faire engueuler, tu vois. Oui, c'est sûr. Ça va forcément arriver dans un moment très proche. Il y avait des vrais commissariats, mais ils ont tout refait. C'est génial, regardez tout ça, c'est du oh là fake. Là. Tout est faux hein, dans le cinéma, c'est pas la peine. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Regardez, regarde. On va se faire une s'il vous plaît. On y croit après. C'est fou. Je crois vraiment. Oh, la lumière est trop belle. Oh, regardez. Je fais quelqu'un dans une belle lumière. C'est beau, c'est le début d'un film. Bonjour, on est les comédiens de dos. C'est ici ou pas? C'est où qu'on doit aller, nous? Tu sais? Viens. Ah, on te suit? Oui. Ah bah non, mais on la suit, Karl. Viens, il faut y aller, en fait. C'est notre moment sur le plateau. Bonjour, Amine. Ça va te déranger, moi. Non, tout va ça bien. Va bien. Normalement, vous êtes là. La blague, c'est que vous devez être de dos, c'est ça? Ouais, ouais. C'est un bonheur de le faire. Le mec a un film à faire, à réaliser. Il doit penser à foutre regardez des gars de dos. C'est la méca. La méca, c'est quand on fait la scène mais sans la filmer pour voir un petit peu les mouvements de caméra et les placements des comédiens. Regarde, ils assurent par contre. Regardez la figure, elle va jusque là. Là. Allez, bien silence pour une méca. Et action. La caméra, regardez, elle est là. Ok, fin de la méca, merci. Bah voilà, bon bah premier bilan, belle expérience, bah, ça s'est bien passé pour nous. Bah je pense que ça marque le tournant dans une carrière, c'est sûr. Il y a un avant et un après sur ce qui se passe là. Il y a des moments, il faut savoir les saisir, c'est tout, c'est comme ça. C'est comme ça, hein. À nous les Césars, voire même les Oscars. Ça se trouve, un jour, il y aura un César dedans, un Oscar. Je crois que les Robin des Bois l'ont fait, ça c'était César génial. César de dos, ouais. Putain mais quel bonheur. Bah c'est le meilleur. Dans la catégorie César du meilleur acteur de second plan, les nommés sont Valérie Douville pour Stand By. Mon gars, c'est quel bonheur mec. On vient de croiser, donc un des cadreurs, c'est un mec qui a commencé avec nous quand on faisait des vidéos il y a hyper longtemps, quand on partait filmer des trucs. Filmer des clips, il y a 10 ans qu'on a commencé, Benjamin Groussin. On a peut-être des photos d'ailleurs. On doit en avoir une, on était parti en Espagne avec un petit van. Regardez on avait ça. Tout niqué avec le matos à l'intérieur. Et d'ailleurs c'est lui qui a filmé ça. Et donc c'est génial, on a un copain, deux avec Tarek. Trois avec moi? Oui. Cool. Là, on sent
c'est un peu surjoué. Ah ouais. Ah d'accord, plus grave dans le reste. Ouais, ouais, parce qu'il faut quand même que ça reste premier degré. Tu vois ce que je veux dire? Tu le ferais comment toi, Feu? Tu vois, par exemple là, ouais, là c'est le premier degré. Alors que vous, vous étiez juste comme ça. Ah oui, oui, oui. Tu vois la différence? C'est léger, mais oui. Mais on est là pour apprendre. Franchement, on est personne donc. Première apparition que je fais dans un vlog. Cool, par contre, ce sera dans, dans notre vlog. Dans notre vlog, tu te dois partir de maintenant. Ah ouais, il y a du dos quand même. Hein. Attends, je vous montre un truc. Vous allez filmer vos réactions, mais vous filmez pas ce que je vous montre. Ok. En fait, c'est une des séquences que j'ai tournées. Donc, c'était la semaine dernière, il faisait 2 degrés. Bâtard. Trop stylé. Non, mais mec, non. C'est toi là? Ouais. Mais c'est quoi ton film? C'est quoi? C'est Fort Boyard. Si vous saviez, si vous saviez ce qu'il est en train de nous montrer. C'est quoi le pitch du film déjà? C'est 300 en fait. C'est deux mecs de dos. Je suis un flic nul. J'ai peur de tout, j'ai le vertige, de la vie, j'ai peur de la vitesse, tu vois, je suis vraiment nul. Un jour je me fais mordre par un rat. J'ai un médecin en fait qui m'annonce que je vais mourir dans 30 jours. Ça 30 jours max. Et du coup, en fait, comme je sais que je vais mourir, bah du coup, j'ai plus peur de rien. Je change complètement et je me dis que je vais partir sur une bonne note, en fait. Je vais essayer d'arrêter le gros caïd. Faut y aller, faut y aller. Méchant du film, tu vois. Du coup, je prends tous les risques les plus fous. Sauf que ce que je sais pas, c'est que le médecin s'est trompé. Je vais très bien. Le spectateur le sait assez vite, mais moi, je toi, le sais pas. Ah oui. Tarek. Ouais, Tarek, ouais. Il est comédien, évidemment, réalisateur du film, et il vient nous briefer pour rigoler. Voilà. C'est un mec bien. Tout le monde est de face, sauf nous. Viens, il nous met nos marques au sol. Bonjour. Bonjour. On est les meilleurs comédiens d'eau de France, d'Île-de-France. De l'Occident. Tu nous mets le meilleur couleur de Skull. Couleur de Skull, c'est toi le meilleur? Putain, ça défonce. On va voir ça. Regarde les gueules. Que ça. Wow. C'est pas mal ça. Là on est sûr qu'on est bien placé. Pas sûr d'y arriver. Merci. Les marques au sol, c'est pour savoir où on est placé évidemment, pour qu'on soit bien dans la caméra. Je suis désolé, j'ai pas bien dormi, mon dos ça se doit se voir là, un peu. T'es cerné. Je suis un peu cerné du tout. Il y a un problème. Parce qu'il y avait des comédiennes là, je vous les montre rapidement. En fait, comme on est devant elles de dos, on les cache, c'est horrible. Et c'est normal. Je peux que comprendre. Je n'ose pas leur parler parce qu'elles. Ah bon? Je leur dis pardon quand même ou pas? Non, non, oh, bah non, tu mets le doigt. Pardon. Regardez bien. On doit inverser nos positions. Si, je me sens mieux là. C'est mieux pour toi, Tarek? C'est mieux. Moins bien pour moi. Légèrement sur votre gauche, s'il vous plaît. Il est en train de nous placer vraiment dans le plan. Ouais, là, c'est bien. Ah, tu vas la cacher derrière. Oui, 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 très bonne idée. On va voir si quelqu'un nous engueule. On tourne vraiment là. Souhaitez-nous bonne chance. Et ben, silence, s'il vous plaît. Caméra au départ. Et thermo. Allez, tourne au son. Et action. Ça commence comme ça une carrière. On l'a fait. S'il y a des réals qui regardent ce vlog, des réals américains, voilà. Danny DeVito, The Rock. N'hésitez pas à nous contacter de dos, on est ouf. Hein? On a géré? C'était bien non? Je vous ai pas regardé là. Big up à tous les figurants, parce que ça c'est un vrai truc. Oui. Moi j'ai été figurant ça à une époque. C'est vrai? Il y a longtemps. Oui. C'est encore un mytho ou c'est un... Non c'est vrai, c'est vrai. Il est encore dans le concours d'anecdotes. Ouais. Ah, on va retrouver des images, on a des choses. Et ça y est, genre dans le vlog là, tu vas les mettre là maintenant là? Maintenant. Et là, sera mieux. Allez, silence et moteur. Bravo, bravo, bravo à tous. Pour moi, elle est bonne. Hein. Elle est bonne pour nous, celle-là, les gars. Pas besoin de la refaire, je pense. Ouais, on franchement. Pas, hein. Vous, j'ai pas vu, mais nous, en tout cas. On tient nos paris. Par contre, dans les prochains films, t'as vrai qu'il n'y a pas de soucis. Même en rôle principal. Oui. Faut pas hésiter, d'ailleurs, si vous faites des films. Bah tiens, on va lui dire. Ouais. Tarek, on voulait dire ton prochain film. Ouais. N'hésite pas à nous mettre réalise en rôle. Réalise le juste. Ouais. Et tu nous mets en rôle principal. Si ça casse ça, ça fera un bon, tu vois. Mais de dos? Non. Eh, mais c'est pas ta concept, hein. On fait un film de dos. C'est pas ça, non. Là, c'est fini. Ça s'appelle dos à dos. Tarek, non, tu parles sans écouter là. Là, ouais. Non. C'est cool, non, mais. Il sortira quand le film? 14 octobre 2020. Va travailler, Tarek. Ouais, là, franchement, la prochaine prise, je vais vous regarder. Okay. Pensez-vous jouer. Il va oublier, c'est obligé. Croyez-le ou non, mais on en a tourné 5. Oh, 5-6, ouais. 5-6, ouais. C'est ça le ciné, c'est aussi la vérité, les coulisses du ciné. Mais t'as remarqué que c'était jamais à cause de nous qu'on leur faisait. Donc voilà, je vais pas remettre la faute. Voilà, il y a les comédiens là, et les comédiens là. C'est tout. Ils sont en train de changer les caméras d'axe. Donc vraisemblablement, on va plus être dans ce plan. Là, regarde bien. Moi je veux bien être de dos, mais de dos et dos à la caméra en plus. Il y a plus rien. Là, on est pas dedans là. Là, vous êtes pas dedans là. On a un petit break là. Mais ça veut pas dire que vous avez fini. Non. On peut aller manger. Mais c'est pas encore le déjeuner. Hein. Ah oui, quelle heure? Mais si, il est midi et quelques. Je suis sérieux. Les mecs qui disent à midi, on mange. Mais oui, c'est ça, vraiment, ah, c'est pas ça. Mais qu'on déjeune avant nous. Quand on tourne, on peut déjeuner même à 15h. Ah oui. Quoi? Donc là, on peut y aller. C'est ça le cinéma, mais jamais moi. Comptez pas sur moi.
Non, je reste sur internet moi, t'es mort. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a pas mal de gens qui vous suivent qui aimeraient que vous fassiez votre propre film. Oui. Et moi, je viendrai de profil sur votre film. Alors ça, mec, c'est signé pour notre premier film. Tarek sera là de profil. Vous voulez qu'on fasse un film? Dites-le en commentaire. J'utilise ça parce que là, c'est oui. Un, et là, c'est tu un mets des gros sujets. La jauge oui et non. Ce sera oui. Les gens vont pas dire non. On va faire un petit gag de faux raccord. Truc de ouf. On va se faire niquer. Hey, le rock, hein. David, vous avez vu David? David. Quoi? C'est pas par là, mec, la cantine. Je me suis chié dessus quand je suis arrivé en haut. Okay. Ah ouais. Voilà le meilleur moment, le moment du repas. Ah oui, il y a des belles choses. Croque monsieur, quiche, assiette végétarienne, pas mal avec. Attends, une pâte aux épinards avec des œufs, ça va partir là-dessus. Fais attention tout le temps, même quand on est en tournage, ce n'est pas facile. Transition. Excusez-moi, c'était bon ou pas? Je peux goûter dans votre assiette pour voir? Allez-y, j'ai fini. Franchement, c'est très correct. Pas mal? Ça défonce. Ouais. Merci beaucoup. Alors? Ça défonce l'assiette végétarienne. On est rappelé pour une deuxième scène. Et après manger, on est rappelé pour une autre scène. C'est ouf, comme quoi le ciné, ça. Tu vois là, c'est déjà. Ah non, mais je vois déjà le Hall of Fame. Moi, je vois l'affiche déjà. L'affiche va être. Bien sûr. Ah bah, on est sur l'affiche, tiens, on va en parler. Tarek, viens, on voulait te parler d'un truc là. On voulait te parler d'un truc. Ouais. C'est quand le shooting pour l'affiche, pour le film? Pour vous mettre de dos? Oui, pour mettre dedans, de dos. Dedans, de dos sur l'affiche. C'est prévu. C'était la semaine dernière. Vous êtes pas venu? On vous a pas filé la convocation? Non. T'as déjà shooté ça? Bah, on en recale une, c'est pas grave. Ou sinon, tu nous mets. Non, parce que ça y est, elles sont imprimées là. J'ai pas vu. Bah, non, mais c'est, on est à un an avant la diffusion, c'est pas imprimé encore. Si, si, elles sont dans les colonnes Maurice et tout. Ouais, non. C'est sûr que non, tu mytho là. C'est quoi ce regard? Ça se voit, tu mytho. Quoi? Attends! Mais personne t'appelle, gros là, vraiment. C'est la pause du. C'est la pause. On est là. Y'a marqué ton nom sur la chaise ou pas? Non. Y'a marqué vos noms sur la chaise. Chut! Enfin, mais alors du coup il faut peut-être ripper la plaque. Grave, moi je dis toujours ça moi. Moi par sécu je rippe la plaque. Hein. De combien tu la rippes toi? Ça dépend, 2 ou 3. Ça dépend si, ah ouais, ça dépend si tu parles à l'anglaise ou à la française. Pardon. On a été appelé, je me suis fait engueuler. Je me suis fait engueuler au cinéma pour être dodo. Pardon, excusez-moi. Je suis désolé, c'est de la faute de quelqu'un d'autre. Tout le monde me regarde, j'ai l'impression d'être au collège. Pour éviter qu'on reste jusqu'à 23h, la technique c'est que quand Tarek va rentrer dans le bureau, nous on va partir. Et ce sera notre dernier moment quand on allez, est venu pour ça. Oh, ok, ok. Allez, ça tourne au son. Et action. Ok, coupé. Et c'est coupé, merci. T'as beaucoup de choses à regarder. Philippe, toi t'as un plan de face ou de dos dans le film pour savoir? Alors moi je suis de face. Ah. Tu sais pourquoi? Favoritisme de ouf, c'est horrible. Non, c'est pas ça, c'est parce que j'ai gagné. Ah. Vous avez fait une méca de dos? Oui, ouais, une méca de dos. Une méca de dos. Une méca de dos, elle est bien. Elle est bien, mais mec. Non, moi je l'ai entendu, alors bravo. Mais oui, mec, il se met à faire des jeux de mots. Il en fait plus que moi. C'est injuste. Action. Et c'est coupé, merci. Il faut des preuves, on va faire leur délit. C'est ouf le ciné, franchement on devrait faire. Vraiment. Oui. Faut encore. Vas-y. C'est chaud ce qui se passe, c'est chaud. Vas-y, fais une petite danse rigolote pour mettre. J'ai perdu 10 kilos et je fais sport 3 fois par semaine. Tiens, on a commencé une transformation physique. Ok. C'est qui? Tous les deux. Ah bah merci, putain. Le... Oh lolo. Oh, c'est merde. Qui Quelle journée. Incroyable, c'est fini. Ah, oh, c'est mec. Déjà, gros big up à Tarek Boudali et à Philippe. Mais en l'occurrence, c'est Tarek qui fait le film, qui a joué le jeu. Ça y est, c'est notre premier rôle. C'était trop marrant de le faire en vérité. Mais les gars, on est tellement contents d'aller jusque-là. Il si vous... y a une équipe. Il y a une équipe entière. Ils rigolaient, ils étaient cool. L'équipe. Genre, ah, c'est les mecs de dos. Et tout. C'est eux les mecs de dos. Et surtout, vous maintenant, vous allez aller voir ce film. Je l'espère fortement. Oui. Et vous nous verrez dedans. Bah, surtout, vous allez essayer de nous trouver. Vous avez eu des indices dans cette vidéo. Il y a quelques indices, mais on vous dit pas quelle séquence. On vous dira jamais
à quel moment. C'est à vous de le trouver, ça va être trop marrant. C'était vraiment très marrant, j'ai hâte de voir les vraies images stylées avec la, vraiment la qualité de ouf quoi. Surtout ça va être à mon avis pendant vraiment pas longtemps qu'on sera à l'image. Ah bah, on franchement, est pendant pas longtemps. 3 secondes. Parce que non mais regardez, il fait nuit là, là-bas. Bon là vous voyez pas, mais il fait nuit, je vous jure. J'ai jamais été autant de dos de ma vie. Donc, allez voir ce film, c'était très marrant. Oh la vache. Mais qui es-tu ? Je suis Jeanne. Bravo à Jeanne qui est dans le vlog. Je suis Jeanne. Elle est très bien dit. Qu'est-ce que tu es, Jeanne ? T'es dans notre vlog, là. Ça fait plaisir. Ouais, yes. Ça fait du bien. Tu voulais nous alpaguer pour quelque chose. Mais non, mais c'est marrant. Tu voulais parce... me donner ton téléphone. Excellent. C'est ouf, merci. Salut, Jeanne. Salut, Jeanne. Ah, je vais être dans vos vidéos, ça veut dire ? Non, je pense qu'on coupera. Ouais, mais le moment humain est cool. Ouais, ça marche. Dis-nous ce que tu fais très vite, j'ai besoin de comprendre ta présence. La décoration sur les films. Elle est drôle. Jeanne est drôle, c'est bon, c'est validé. Je te laisse blogger un peu. Allez, ça part. Allez, salut. Alors ici, vous êtes en direct des studios de Bry-sur-Marne, ah, oui, où nous faisons plusieurs petits films. Est-ce que vous avez une petite blague, d'ailleurs ? C'est une mouche qui arrive en Italie. Ça marche. C'est ouf déjà, t'imagines ? Elle est partie de la France, hein ? C'est des barres. Mais je crois que c'est la fin en plus, non ? Ah oui, oui. Ouais. Ok, d'accord. Salut, Jeanne. Ouais, je vous rends ça du coup. Ouais, on va faire ça. Ouais. C'était, on doit, c'est la toute fin, là. Tu veux dire souscrire à un abonnement ? Souscrire à un abonnement.